convidat de, un dels convidats és la Noelia Dominique Oblet, artista belga. Vull deixar a Maria presentar-la. Queria agradecer a Maria Clara Carneiro, que vai mediar e vai traduzir ao mesmo tempo. O colosso da tradução brasileira. E a Dominique, que foi muito gentil em aceitar o convite, vir até aqui, tem sido maravilhosa, topado todas as roubadas. E é isso aí. Obrigado ao Miss por tudo que têm feito e fazem e vão fazer até às 8 da noite. Tem sido uma movida muito intensa esses últimos meses. É tudo feito com muito carinho, muita dedicação. E a Miss abraçou uma experiência muito fora do comum. De braços abertos. Valeu, Miss. Vamos lá. Bom, boa tarde, gente. Obrigada a todos por estarem aqui. A Dominique, né, começou a trabalhar, o seu primeiro livro dela foi publicado em 97, Portrait Craché, uma coleção de trabalhos dela que publicava em revistas independentes já em Bruxelas. E vem trabalhando desde então com desenhos, uma outra experiência do quadrinho, misturando um pouco de autobiografia, Souvenir d'une journée parfaite, Faire semblant de mentir, Chronobiographie, são alguns dos livros que ela vai falar agora. Ela vai explicar muito mais do que eu vou tô apresentando. Estou até um pouco de vergonha de antecipar. Já vou deixar a palavra para ela, vou traduzindo e fazendo perguntas. Depois a gente vai abrir para perguntas para vocês. Tá? Bom, bonjour, Dominique. Bonjour. Bonjour tout le monde. Première chose, vu que nous ne sommes pas nombreux et que cette lecture a commencé sous des auspices un peu comiques de grand foirage total, je propose qu'aujourd'hui, je vais forcément vous raconter mon travail, mais ça me ferait plaisir que vous interveniez pendant que je parle, qu'on soit vraiment dans une discussion ouverte. Como está começando sobre os auspícios de umas ações um pouco cômicas, né, desde ontem, ela prefere ir falando e vocês podem intervir a qualquer momento para fazer perguntas. Acho que é isso. Vai. Meu caderno. Donc, d'abord, un tout grand merci à Marcelo, à Raphaël, au Miss. Pour m'avoir invitée et à Maria Clara pour m'accompagner dans cette rencontre avec vous. Bon, muito obrigada ao Miss por ter me acolhido, a Rafael e a mim também, a Maria Clara, por ter acompanhado. Ouais. Tout d'abord, je vais situer mon travail en quelques lignes pour que vous compreniez un peu l'historique par lequel je suis passée. Et puis, je vais commencer par mon tout dernier livre, qui est une collaboration avec Kai Pfeiffer, qui est allemand-berlinois. Et puis, je remonterai le temps en commençant par Souvenir d'une journée parfaite pour remonter jusqu'à aujourd'hui à travers une réflexion autour de la fiction et de l'autobiographie dans la bande dessinée. Bon, premièrement, elle va commencer à parler toutes les grandes lignes du travail d'elle. Para, em seguida, apresentar o último livro dela, que Plusiana Tanto, que vocês já estão vendo aqui. Para, em seguida, passar para os primeiros trabalhos, que são essas mais autobiográficos. Olha, donc, je suis sortie d'une école d'une école d'art à Bruxelles en 91. Et j'avais fait des études d'illustration et rapidement, après ma sortie, j'ai été mise en contact avec un groupe d'étudiants qui étaient en bande dessinée, qui étaient des gens vraiment chouettes et qui, comme moi, avaient l'envie de produire une bande dessinée qui n'avait strictement rien à voir avec ce qui se faisait à l'époque dans les années 90. En France et en Belgique, qui s'appelait donc l'école franco-belge, c'est-à-dire toute une bande dessinée liée à la ligne claire, Tintin, Spirou, les Schtroumpfs, Lucky Luke.
Começou a fazer a escola de artes em Bruxelas em 1991, passou a estudar ilustração e logo depois ela encontrou um grupo de estudantes bem legais, com uma vontade de fazer uma história em quadrinhos que não tivesse nada a ver com o que eles conheciam até naquela época, tanto na França quanto na Bélgica, a chamada escola franco-belga, que é mais ligada à linha clara, como os Smurfs, o Tintin, Spirou, né? Não sei como a gente Spirou que a gente fala aqui. Né? Voilà. Donc, en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles moi je me suis, on va dire, positionnée en m'opposant très très fort à ce qui se faisait à l'époque. La première raison, c'est que tout simplement, je ne connaissais pas la bande dessinée. Je venais de l'illustration. La deuxième raison, c'est que j'ai un tempérament qui aime être en opposition avec les choses qu'on dit que je suis supposée devoir faire. Bon, há várias razões para que ela tenha se posicionado, né, entre esse grupo que é contra o que se fazia, e a primeira razão é que ela não conhecia a história em quadrinhos, como se esperava que se fizesse. E a segunda razão tem o temperamento dela mesmo, que quer estar sempre, não quer fazer o que se espera dela. Je venais pas du tout d'un milieu où j'étais dans la grande fascination de la BD comme une petite fan qui collectionne, etc. Donc les codes propres à la bande dessinée ne m'étaient pas spécialement familiers. Então, eu não era uma fã dos quadrinhos que queria fazer o que estavam fazendo. Desculpa a repetição. Então, ela estava mais à vontade para não usar os códigos que eram dos quadrinhos. Sans compter qu'en plus, la bande dessinée et l'illustration, telle que je le connaissais, c'est-à-dire assez mal, était plutôt tout le domaine lié aux enfants, aux adolescents. Et moi, je n'étais pas du tout là-dedans. Moi, je voulais, enfin, j'avais en moi une forte violence qui avait besoin d'être exprimée par l'art. Et tous les trucs comme ça pour enfants et tout, ça ne me disait rien du tout. À l'école, on était un peu supposé dessiner en illustration des choses exclusivement pour enfants, avec des petits animaux très mignons et tout. Et moi, je voulais dessiner du sang, des meurtres et des trucs lourds et méchants. Donc, je n'ai pas compris ce que j'ai écrit. Je pense que le quadrinho. Ela não estava nada nesse domínio dos quadrinhos, ela não conseguia se encaixar ali nesse meio. Eu senti um pouco de violência em ver, em se precisar se exprimir contra o que se estabelecia, que na escola de artes pediam que fosse desenhasse mais coisas para crianças e para adolescentes. E ela não se encaixava ali, ela achava isso tudo muito infantil. E ela preferia desenhar coisas com sangue e com assassinato. Voilà. Et du coup, c'était une belle période pour moi parce que, en sortant de l'école, j'ai rencontré les gars de cet atelier de bande dessinée qui, eux aussi, voulaient faire de la bande dessinée, mais de façon complètement différente de tout ce qui pouvait se lire à l'époque. Et donc, ils ont commencé par chercher à faire des choses en utilisant des outils qui étaient peu courants en bande dessinée, la gravure, la peinture, mais aussi en ouvrant les influences, non sur la bande dessinée elle-même, mais plutôt sur tous les... Qu'est-ce qui se passe ? Ah, voilà, oui, c'est bien. Aller chercher des influences donc en travaillant avec des outils peu usuels pour la bande dessinée et en ouvrant le champ d'influence par plutôt la nourriture apportée par les autres champs artistiques comme la peinture, le théâtre, le cinéma et évidemment la littérature. Donc,
Então, saindo da escola, se encontrou esse grupo de caras, né, que estavam querendo fazer um ateliê de quadrinhos, mas de uma forma bem diferente do que tinha na época, com instrumentos diferentes, ferramentas diferentes, pela gravura, pela pintura, e se abrindo influências diferentes também, abrindo campo para se alimentar de outras artes, como o teatro, a pintura, o cinema também. Voilà, et donc aussi un des premiers objectifs était de réfléchir à toutes les dimensions que la bande dessinée pouvait apporter de neuf, bien sûr au niveau de l'image ou au niveau de la narration, mais pas seulement. Aussi, quel est l'objet final? Est-ce qu'il faut obligatoirement que la finalité d'une bande dessinée soit un livre? Tout ce qui touchait de près ou de loin la bande dessinée était remis en question ou en tout cas questionné. Então, um dos primeiros objetivos era de refletir sobre todas as dimensões que os quadrinhos poderiam trazer, questão de ferramentas, mas também repensar esses objetivos. Será que era só para fazer livro? Todas essas questões foram sendo colocadas ali. Voilà. Et donc, dès le départ, on s'est positionné autant au niveau des expositions que dans la production de livres. Et comme notre travail était complètement en décalage avec les productions mainstream de l'époque, il était évident que nous n'allions pas être publiés. Et donc, on a décidé de commencer à s'intéresser aussi à la publication et à voir à quoi pourraient ressembler des livres tels que nous aimerions les faire. Então, como desde o início eles estavam se posicionando no campo da exposição e na produção de livro, e o trabalho deles estando bem afastados do que se esperava, né, do mainstream, eles sabiam que eles não seriam publicados. Então, por isso, passaram a tentar produzir, entrar também na própria edição de livros. Voilà. Donc, encore un tout petit mot pour dire pourquoi j'ai travaillé avec un autre éditeur. Donc, ça, ce groupe s'appelait à l'époque Frigo, puis il est devenu aujourd'hui Frémok après une série de petites transformations. Donc, cet éditeur est devenu l'éditeur Frémok, qui est basé en Belgique. Então, só mais uma palavrinha para dizer como é que eu entrei nesse grupo, né? Esse grupo se chamou primeiramente Frigo, é uma palavra que significa geladeira, é uma expressão para geladeira. Mas depois, por umas transformações, hoje virou o que é a Frémok, que é uma editora que existe até hoje. Voilà, juste une ligne sur quelque chose qui historiquement me paraît vraiment très important, c'est que à l'époque, dans les années 90, il y avait un mouvement qui proposait des choses plus de l'avant-garde et pour adultes, etc., autour de métal hurlant, à suivre, etc., dont vous avez sans doute peut-être entendu parler, et qui était une bande dessinée beaucoup plus, moins... on va dire, lié au divertissement sympathique. Então, só mais uma linha historicamente, que ela acha historicamente importante, né? Nessa época, nos anos 90, tinha um movimento de autores que propunha uma vanguarda. Era um grupo de autores ligados às revistas Metal Hurlant e à revista A Suivre. Eu acho que A Suivre não chegou aqui. Metal Hurlant foi traduzida para heavy metal, né? E um quadrinho muito menos ligado à diversão e entretenimento. Mas eu acho que o que fez realmente basculer as coisas entre a bande dessinée d'avant e celle que nós conhecemos aujourd'hui au niveau de la bande dessinée expérimentale, que généralement aujourd'hui on appelle le roman graphique, c'est. Un festival qui a été créé justement par ce groupe Frigo à l'époque, et on s'était aperçu que
un des freins, des difficultés qu'on avait était de, évidemment, pouvoir avoir du poids au niveau des médias ou surtout au niveau des ventes dans les magasins, dans les librairies, même les librairies spécialisées. Et donc, il fallait trouver un moyen de commencer à avoir plus d'influence. Et pour ça, on a eu l'idée de créer un festival qui s'appelait Autarcic Comics et qui a convoqué, invité toutes les petites structures indépendantes d'Europe, donc en Finlande, en France, à Marseille, le groupe Dernier Cri, par exemple, l'association. Et donc, tous ces groupes, toutes ces petites structures qui voulaient faire de la bande dessinée différente, sans être sous le dictat de ce qu'on appelle le 48 pages couleur, et éventuellement produire du noir et blanc, ou ben voilà, tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans le graphic novels. Tous ces groupes ont pu se réunir, et au début, il y avait un festival une fois par an, et puis c'est passé rapidement à une fois par mois. Et c'était complètement dingue, parce qu'il y a eu une énergie que j'ai plus jamais vue ailleurs, ni... Oui, je sais, Raphaël, je sais... Então, o que fez movimentar essas coisas, o universo dos quadrinhos, entre esse grupo de ontem, que chegou ao que hoje estão chamando não mais banda de cinema, mas romance gráfico, foi um festival que o pessoal do Frigo organizou na Bélgica, e eles que a ideia do festival era... fazer peso frente para aparecer nas mídias e também chegar nas livrarias. E esse festival, principalmente, né, na mídia, para eles fazerem ser vistos. Né? E, para isso, eles precisavam ter mais influência. O festival se chamou Autarcic Comics, quadrinhos autárcicos, seria assim, que convidou todas essas pequenas estruturas, né, as pequenas editoras da Europa inteira, da Finlândia, da França, e todos esses grupos, Elastor, a L'Association, que é de Paris, Le Dernier Cri, que é de Marselha, eles foram, se reuniram, né, para tentar enfrentar essa ditadura das 40, que é o modelo que se estabeleceu até então no mercado franco-belga, que é só 48 páginas, capa dura, colorido, e tentar publicar em preto e branco, por exemplo. Esse festival começou uma vez por ano, depois virou um evento mensal, e era uma coisa muito louca, enérgica, viva, et mouvementou bastante. Voilà. Autarcic Comics est à la bande dessinée ce que Woodstock était à la musique. Então era, non, bon, je rigole, vous entendez, mais era praticamente o Woodstock dos quadrinhos, Autarcic Comics. Voilà. Un dernier point par rapport à l'historique, ou en tout cas mon historique, c'est que à l'époque, donc dans les années 90, où j'ai commencé, il y avait très peu de filles dans le secteur de la bande dessinée expérimentale. Je pense qu'on était une dizaine, en fait. Une dizaine en Europe. Allez, il y en avait peut-être un peu plus, mais je veux dire, des figures un peu fortes. Il y avait, et encore, je dis en Europe, mais c'est même pas... On peut même dire presque partout. Il y avait Julie Doucet, dont on parlait, Anke Fürstenberger, en Allemagne. Pff, il y en avait vraiment Caroline Sury, à Marseille. Je sais pas, entre 5 et 10 auteurs féminins. Donc c'était quand même une chose assez particulière, parce qu'il y avait non seulement le fait d'aller chercher à, entre guillemets, imposer son travail dans un espace qui n'était pas spécialement accueillant à la nouveauté et à l'expérimentel, et il y a le fait d'être une femme. Je ne dis pas que ça n'a eu que des avantages, mais il y a eu quand même beaucoup de choses très compliquées, vu que mon groupe était exclusivement masculin.
Et puis il y a eu des problèmes un peu de rivalité, voilà, parce que malheureusement ou heureusement, mon travail a eu un peu plus vite des retombées et il a commencé à y avoir des tensions dans le groupe avec les garçons. Então, o último ponto desse histórico, praticamente histórico que ela está fazendo dela, é que tinha pouquíssimas mulheres, isso não é novidade para a gente. Umas 10, que, talvez mais mulheres fortes assim, que apareciam, se sabia pouco, tinha a Julie Doucet, Anna Karenberg. Anke Fürstenberger. Anke Fürstenberger. C'est une Allemande. Cabri Souris, Caroline Souris. Caroline Souris eram as mais conhecidas, mas praticamente 5 das autoras, nomes fortes. E já era difícil se impor, ela bota entre aspas, né, impor seu trabalho, né, apresentar seu trabalho nesse meio experimental, sendo mulher ainda era um pouco mais complicado, que era um espaço pouco acolhedor a ser mulher. O grupo dela, sendo majoritariamente masculino, ainda tinha um pouco de rivalidade quando as mulheres começavam a aparecer um pouco mais. Os homens ficavam com ciúmes, ele était jaloux de Oui, ça crée des tensions parce que il y avait tout le monde avait un peu l'inquiétude de voilà, savoir si le travail qu'il faisait allait pouvoir trouver une résonance. Et quand dans un groupe, il y a une personne qui à un moment plus rapidement des propositions, ça peut créer des tensions. Il se fait qu'en plus, quand c'est la femme, c'est... Voilà. Bon, comme todo grupo, né, acaba tendo bastante tensões entre eles, porque todo mundo tinha essa preocupação se o trabalho ia ter alguma ressonância. E aí, quando uma pessoa aparecia mais que os outros, o restante ficava um pouco preocupado, e sobretudo quando eram as mulheres que apareciam mais, era um pouco estranho. Mais je ne voulais pas quitter le groupe parce que même si il y a eu des tensions telles que j'ai, enfin bon bref, peu importe, c'est pas important ça, mais en tout cas je voulais pas quitter le groupe parce que je pense que c'est rare de trouver des gens avec qui travailler où il y a une philosophie hyper forte. Mais c'est à cause de ça que j'ai approché le groupe de l'association. Et ça tombait bien parce que eux, à l'époque, développaient tout le mouvement de la bande dessinée autobiographique. C'était le début de ce courant-là. Então, mas mesmo assim, eu não queria sair do grupo porque, mesmo com as tensões, era raro encontrar gente com uma filosofia tão boa de trabalho. Mas foi assim que ela se aproximou da associação que tinha um outro tipo de abertura ao trabalho. Voilà. Et donc, je parlerai de l'autobiographie un peu plus tard. Je reviendrai là-dessus. Et maintenant, je vais entamer les explications. Enfin, mas ela vai falar da autobiografia um pouco mais tarde e vai começar agora com esse livro plus fiantante. Voilà. J'ai rencontré Kay il y a 3 ans dans un festival et on avait échangé nos carnets sketchbook. Et j'ai découvert son travail qui était juste trop génial. Et j'ai eu envie de faire une collaboration avec lui. Et donc, je lui ai proposé de me provoquer en duel artistique. Et voilà. Encontrei o Carl, que é com quem ela fez esse livro, há 3 anos, em um festival. A gente mostrou, trocou os cadernos, os sketchbooks. E... ela propôs, então, essa colaboração, uma espécie de duelo em desenho. Voilà. Alors, est-ce que tu peux mettre cette image-là en grand? Alors, voilà le charmant dessin que j'ai reçu de Kay comme proposition de collaboration. Esse é o desenho charmoso, encantador, que ela recebeu do Carl
comme une provocation pour la collaboration. Alors c'est vrai que je lui avais demandé de me provoquer, mais enfin là, quand même, je trouvais qu'il y allait un peu fort. É verdade que ela pediu para ele provocá-la, mas ela achou um pouco exagerado. Ouais, parce que j'ai pas du tout l'habitude personnellement de traiter les formes érotiques dans la bande dessinée, et venir me chercher pour une collaboration en mettant comme première page un truc vraiment très confrontant sexuellement, ça m'a un peu... Mais je me suis dit, ah waouh, ça c'est un bon défi, ça vaut la peine, il faut y aller, quoi. É porque eu não tenho, ela não tem o hábito de começar, de tratar a questão erótica em quadrinhos. Então, quando mandou essa primeira página assim, ela ficou. E, mas aí ela se pensou melhor e tentar realmente responder a isso. Olha, voilà la proposition qu'il m'a faite. Nous allons travailler sur une thématique. Et l'idée, c'est de chercher à voir si on peut renverser le processus habituel utilisé en bande dessinée, que vous connaissez tous. On écrit un récit, on divise pour en faire un storyboard, on l'organise pour faire un storyboard. Et ensuite, évidemment, on attaque les dessins. C'est qui qui a proposé? C'est Kay. Então, a proposta que ele fez foi de... Enfin, ça, c'est un peu une... autour d'une discussion qu'on avait eue, mais... Eles conversaram, né, e é ele que formulou a proposta, mas depois de uma conversa, de tratar uma temática, mas que revertesse o processo de fazer um quadrinho, que seria, em vez de fazer normalmente, primeiro pensar a narrativa, depois ir desenvolvendo as páginas. Il faut savoir aussi que lui... est basé à Berlin et moi à Bruxelles, et donc on devait trouver un processus qui soit à la fois très ludique, où on ne perd pas l'énergie, le plaisir du jeu, et en même temps quelque chose qu'on puisse faire à distance, en, éventuellement s'envoyant les choses par Internet. Então, e é importante dizer, né, que ele mora em Berlim, então eles precisavam encontrar uma forma que fosse lúdica, que não desse no saco, né, que eles pudessem continuar se correspondendo à distância e criando essa forma. Voilà. Et donc la thématique qu'il a proposée, c'est les rencontres amoureuses sur site internet, ce genre de truc où on fait un profil, je suis un magnifique garçon de 20 ans, alors qu'en fait il en a 60, et... voilà, j'habite à tel endroit et je mange des rouleaux de printemps et je déteste les enfants, je sais pas moi. On peut dire tout et n'importe quoi, on peut mentir, on peut dire la vérité. Bref, on fait un profil, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce profil ? Vous avez créé le profil ? Non, ça c'était la thématique, c'était les sites de rencontres, les rencontres sur sites amoureux. Então, ele propôs essa temática, né, de encontros sobre sites de relacionamentos amorosos, né? Essa ideia de poder fazer um personagem com uma outra idade, de dizer que tem 20 anos enquanto tem 60 e tem filhos e criar toda uma fantasia em torno disso. Mais en effet, nous nous sommes chacun inscrits aussi sur un site de rencontre pour essayer un peu de voir quel type de vocabulaire était utilisé. Et on s'est rapidement rendu compte que ces sites étaient à eux seuls une source d'inspiration absolument magnifique, et notamment en termes de poésie concrète. Mas, então, de fato, cada um se inscreveu no site para ver como era o vocabulário, como as pessoas se relacionam, né? De verdade. E, enfim, eles perceberam como é um lugar magnífico de praticamente uma poesia concreta de como as pessoas vivem. Donc pour la règle du jeu, l'idée c'était donc nous allons produire des images sur cette thématique sans se soucier de la technique. Donc on peut mélanger les techniques d'une page à l'autre, mais même à la limite dans une seule et même page. Mais il y a une contrainte à respecter sur toutes les pages, c'est la page est divisée, comme vous le voyez ici, en 4 cases similaires. Et l'idée, c'est uniquement de produire des images. Dès qu'on a une page,
on l'envoie à l'autre et l'autre réagit sur cette page ou pas. Então a regra do jogo era produzir imagens que, mas sem se preocupar com a técnica, isso era independente. É, mas eles tinham que respeitar, tinha uma restrição do jogo, é, de respeitar essa divisão de páginas, né, como vocês estão vendo, é dividida sempre em 4 quadros, similares, mesmo tamanho. Cada um produzia uma página e o outro tinha que responder a essa página. Era a questão da reação. Le but étant de, donc, de produire des images pour avoir un moment sans planche. Et une fois qu'on aurait 100 planches, on rediviserait toutes les cases, on mélangerait ces images et on verrait si, sur base de cette banque d'images, il est possible de produire un récit. Então, o objetivo final era produzir imagens e até chegarem até 100 páginas. E depois que eles fizeram essas 100 páginas, redividir cada página, esses 4 quadros, e formando esse banco de imagens que eles depois foram ver se era possível construir uma narrativa a partir dessas imagens. Voilà. Et donc, de temps en temps aussi, durant le processus du travail, on s'est retrouvé pour faire des résidences pour travailler ensemble et du coup parfois on travaillait sur les mêmes dessins, donc chacun de nous commençait une page, on l'échangeait, on pouvait intervenir sur le dessin de l'autre, même complètement le recouvrir si on voulait. C'était vraiment un jeu sur laisser tomber son ego, quoi. Então, é, de qualquer forma, de tempos em tempos eles se encontravam para fazer residências e assim trabalhar juntos e cada um tentava trabalhar o desenho, retrabalhar o desenho do outro, ver se eles poderiam modificar. É, ou então, um trabalhava desenhando o outro, trabalhavam juntos sobre algumas imagens, e assim, com a ideia de tentar deixar de lado o próprio ego, é, deixar que o outro retrabalhasse o desenho, é, se misturar. Olha, alors, cette maison que vous voyez, c'est une maison qui se situait près de l'endroit où on a fait notre première résidence, près d'un aéroport, dans le quartier, dans un quartier flamand très banal, où quasiment toutes les maisons sont un peu similaires, avec 3 fenêtres, toujours des vases à l'intérieur et des petits jardins comme ça, très très travaillés. Mais j'en parlerai juste après. Oui, je dirai après. Então essa casa fica perto de uma das primeiras residências que eles. C'est pas là la résidence, c'est près. Oui, c'est tout près. É uma da, ela é bem pertinho da, de uma das residências, as primeiras residências que eles fizeram, né? Uma casa típica num bairro flamengo na Bélgica. Cê, né? A Bélgica é dividida na parte valônia e a parte flamenga, são duas línguas diferentes que se falam. E vocês podem ver que são essas casinhas que são todas iguais, com um vasinho na frente, o jardim bem cuidado. Oui, comme vous pouvez imaginer, c'est un quartier très euphorique, très sympathique, et vraiment on s'amuse beaucoup dans ce quartier, quoi. Non, on s'amuse pas en fait. Un quartier, c'est un quartier, tu vois, très ennuyeux, quoi. Quartier très ennuyeux. Então, comme vous pouvez le voir, c'est un bairro très sympathique, pour ne pas dire tédioso. Pardon. Pardon, excuse-moi, je croyais que tu avais fini. Pendant une promenade, nous sommes passés devant cette maison et nous avons vu ces arbres taillés de façon si créative, quoi. Então, em uma dessas caminhadas, eles passaram por essas árvores, né, cortadas de forma tão criativa. Mais on ne savait pas si les propriétaires avaient intentionnellement donné cette forme merveilleuse à leur arbre. Ou bien si c'était, voilà, sagement, l'envie de former un champignon. Mas então eles não sabem, né, se o dono da casa teve essa ideia de realmente mostrar o que a gente está vendo, se era um cogumelo. Mais, en fait, quand on est passé devant cette maison, on s'est tout de suite dit, ah ben ça, ce sera le cadre de notre histoire. Tout va se passer dans cette maison, c'est trop beau. Et on imaginait la personne qui ouvre, quelqu'un sonne, la personne ouvre la fenêtre pour dire oui, qui c'est, et se retrouver juste au-dessus de. E aí, então eles tiveram ideia que essa casa vai ser o lugar, né, o enquadramento,
o seio de onde as histórias vão se passar, aí ficaram imaginando que de tocar na campainha e alguém abrir a janela e perguntar quem é que está aí. Et bon, pour la petite histoire, je pense que ce n'est pas du tout un effet provocatif, puisque j'ai vu un jour les gens qui sortent de la maison, et c'était un couple de vieux, et je pense qu'ils n'ont vraiment pas fait ça intentionnellement. Et só assim, os bastidores da história, né, eles acham que não foi intencional, que dia eles viram um casal saindo da casa, são um casal de senhores, né, uma velhinha, um velhinho, e eles acham que não era intencional. On ne sait jamais, hein. Parfois les personnes âgées sont très rock and roll, mais quand même. Nunca se sabe, as pessoas mais velhas são muito rock and roll, né? Alors voilà. Ceci que vous voyez à gauche, donc ça, c'est la première page que j'ai produite lors de cette résidence, et j'ai dessiné un peu au hasard ces quatre images. Dans lesquelles on voit une femme, un agent de police et une fille en maillot de bain avec une sorte de scaphandrier sur la tête. Essa à esquerda aqui foi a primeira página que ela fez em resposta, que vocês estão vendo uma mulher nadando, um agente de polícia, um policial e uma pessoa com um escafandro. Donc j'ai donné cette page à Kai et Kai a joué avec ce qui était raconté dans mes dessins en inversant chaque case et en la réinterprétant à sa manière. On retrouve comme ça la femme avec le policier, l'homme en slip et la fille en maillot de bain. Et le Carl, il brincou com as imagens, reimaginando ressignificando elas, né? Então tem o cara de cueca, ele retomou também e modificou o policial, também a mulher nadando e o escafandro ali. En fait, ce qui a commencé à être vraiment notre plaisir, c'est de travailler la narration de enfin le rapport à la bande dessinée et la narration, pas seulement dans une abstraction au niveau de l'image, mais aussi de la narration. Comment jouer, comment raconter et comment jouer à tirer un motif de façon abstraite, autant sur l'image que sur la charge narrative. Então eles foram tentando brincar com essa ideia de tirar, de mexer com a narração também vindo do que seria mais abstrato. Si j'ai bien compris. Alors, jouer sur donc une sorte de dérive de motifs. Tentant dériver des motifs, né, o que vem d'abstrait, réimaginer, passer. Mais pas seulement au niveau de l'image, aussi de la narration. Esses motifs qui estariam só abstraitement na imagem, mais também no niveau de narração. Tout en restant évidemment connecté à la thématique de base, qui sont les rencontres sur Internet, par exemple les chaussettes qui disent non fumeur et non vulgaire. Mais sans deixar de lado a questão temática, que é dos encontros amorosos, né? Por exemplo, ali na meia que fala non fumante et non vulgaire. C'est bien ce vocabulaire de Tinder. Né? Voilà. Et donc, puisqu'on s'était inscrits aussi tous les deux sur un site de rencontre, on a commencé aussi à collecter plein d'annonces un peu comiques ou parfois décalées ou avec des fautes formidables et qui étaient là aussi comme une sorte de banque narrative, si tu veux, dont on pouvait se servir pour alimenter nos dessins. E como eles estavam inscritos nos sites, eles começaram a fazer também esse banco de textos, né, dos anúncios, muito cômicos, que foram servindo como base para os textos e para essa narração também. Voilà. E a façon un peu des variations de variations Goldberg, variations de Bach, tu vois, où une phrase peut devenir un motif qu'on peut exploiter en changeant la forme de façon infinie. Nous avons essayé de faire ça avec des motifs de bande dessinée, le motif de bande dessinée. Et donc, quand on voit cette page ici à droite, celle-ci devient
également ceci. Donc j'ai repris la page et elle devient carrément. Donc on retrouve le motif du slip et du bec d'oiseau qui devient un jeu complètement abstrait. Ela está usando aqui um motivo nesse sentido musical, como um motivo de Bach, de Goldberg, que é um trecho, né, que vai se repetindo, mas ao mesmo tempo que ele se repete, ele vai ficando diferente. Então, a cueca ali, ela começa concreta, digamos assim, mas real, e de repente vira um outro motivo aqui, né? Então, essa repetição de o motivo nesse sentido, um signozinho que vai se iterando, né? Voilà. C'est l'itération, on dit la résistance, c'est quelque petite chose qui reste. Exactement. Il y a essa palavra do Derrida que é a résistance, é uma coisa que vai ficando. É uma pequena alteração que vai se repetindo. En même temps, par ce jeu presque de ping-pong ou de tennis, ou en fait, très rapidement, des personnages se sont imposés. On avait une femme, plus ou moins 50 ans, un homme policeman, c'est Agent Love, son ancien mari, et une fille en maillot de bain qui semble être leur enfant et qui devient une sorte de fantôme qui erre autour de ces personnages. E, ao mesmo tempo, nesse jogo de ping-pong que eles foram construindo, rapidamente apareceram personagens, que é essa mulher de uns 50 anos, o marido dela, que é um policial, e uma menina de biquíni, de maiô, que pode ser a filha dela, que aparece como um fantasma que vai voltando. Voilà. Et ainsi, on avait déjà tout notre cadre, la maison que vous voyez ici, mais également le bite-bouche, comme on l'a appelé, donc le buisson coq, le coq-bouche, qui est devenu lui aussi un des personnages de l'histoire, comme une sorte de cœur grec qui voit tout et qui peut restituer, et les homards, que vous avez vu sur la première image. Les homards, lobster. Assim, eles conseguiram fazer esse quadro, essa base, né? Além desses personagens, a casa e também o coqbush, como vocês ouviram, né? Esse arbusto pênis, e também essa lagosta, que também virou um personagem, e coração grego, acho que é o olho grego, né, que vê tudo em toda parte. Voilà, et donc en fin de compte, quand nous sommes arrivés à 100 planches comme on avait prévu de le faire, on avait déjà un squelette d'histoire, c'est-à-dire une femme plus ou moins entre 50 et 60 ans à cause d'un drame dans sa vie, probablement la perte de son enfant et le divorce avec son mari, se retrouve dans une grande solitude et elle va faire des recherches d'hommes sur un site internet. Elle va chercher des hommes pour un peu combler son vide. Et, no fim das contas, quando eles chegaram a essas 100 páginas, já tinham praticamente um esqueleto de história, né? É uma mulher de uns 50 anos, provavelmente perdeu um filho, uma criança agora, que se vê à frente um divórcio, então se encontra sozinha num momento de solidão, e aí tem que se inscrever em sites para tentar completar, preencher esse vazio. Donc vraiment à la façon d'un film, comme quand on fait un documentaire, on enregistre, on filme des images, puis on fait un montage, et de ce montage apparaît le récit et le film. É praticamente uma forma de um documentário, que primeiro filmaram, foram gravando essas imagens e depois passaram a montagem. Da montagem é que saiu o filme. Voilà. Alors, je vais revenir un tout petit peu aussi sur les sites de rencontre. Vou voltar rapidinho pros sites de encontro. Puisque
Alors, donc, on s'est inscrit sur deux sites. Il y en avait un qui était très classique, gentil, je cherche une gentille famille, un couple, je veux me marier, avoir plein d'enfants. Et l'autre était un site beaucoup plus, on va dire, olé olé, hein, un peu léger. Il s'appelait mignonne.com. Então, ela vai voltar ao site, né? Eles se inscreveram em dois. Um mais clássico, bonitinho, quero encontrar alguém para fazer minha vida, e o outro mais bunda lelê, né? Que... Voilà. Et donc, on a un peu relevé des expressions. Peut-être je vais vous lire une ou deux annonces que j'aime bien. Par exemple, voilà, il y a 54 ans, je viens du Brabant flamand, donc c'est une région de Belgique. Je suis assez timide. Donc 54 ans, puis la région, ça n'a pas d'importance. Donc 54 ans, je suis assez timide. Pardon. Então, ela está lendo aqui um desses anúncios. 54 anos, de Brabant, uma região da Bélgica. Eu sou muito tímido. J'aime la campagne et les enfants. Eu gosto do campo e das crianças. Plat favori, rouleau de printemps. Pratos favoritos, rolinho primavera. Homme de 48 ans. Homem de 48 anos. Aimant les plaisirs de la vie. Gostando dos prazeres da vida. Cherche à faire de belles rencontres sans tabou. Está buscando encontros sem tabu. Hygiène, discrétion et respect. Et jovem mulher, hygiène. Hygiène. Higiene. Bom, higiênico, discrição e... Pardon, Denis, e respeito. E respeito. Bisous. Beijinhos. Voilà. Mais les choses, une chose qui était vraiment amusante, c'était de voir que, évidemment, ce site mignonne.com était occupé par, on va dire, 95% d'hommes. Donc, je ne sais pas si le succès qu'ils espéraient était vraiment au rendez-vous. Mais esse site é o mais vulgar, que é o Mignonne. Mignonne é bonitinho, fofinho. Fofinho.com. A maioria eram homens e provavelmente eles não estavam tendo sucesso ali. Il y a une expression en français qu'on trouvait d'ailleurs le plus, l'expression qui revenait le plus sur ce site, c'est sans prise de tête. Je ne sais pas si tu connais ça. Oui. E a expressão que estava mais, que aparecia mais ali, era sem, tipo, sem preocupação. Como é que a gente fala nesse site de encontro? Hã? Não, é tipo, deixar rolar, ver o que acontecer, mas não é o sem compromisso, né? Não, sans lendemain. Sans lendemain. Le seguinte, né? Ou seja, vous n'allez pas commencer à me poser des questions. On va pas, voilà, on va pas faire sa vie ensemble. On va pas se marier. On va pas avoir de gosses. Et tu me poses pas trop de questions, quoi. Tipo, você não vai, eu não vou. A gente não vai se ligar amanhã. É só para a gente trepar e pronto. E a gente não vai se telefonar depois. Tem uma expressão em português para isso. Tô me escapando. Mais il y a eu une fois où il y a eu une. Mas não é putaria, é um eufemismo para putaria, né? Pega, mas não se apega, exatamente. Esse, é isso. Obrigada. Literalmente, ça veut dire pas me tenir la tête comme ça, quoi. Literalmente é isso. Você não vai, literalmente é isso, a expressão sans prise de tête. Você não vai pegar na minha cabeça, não vai me segurar, não, voilà. Não mais vai. Mais c'est amusant de le dire parce que par exemple, il y a un gars qui fait son annonce en disant voilà, je suis un jeune homme très sympathique et je cherche une femme, et il oublie un mot, le mot prise, et donc ça donne je cherche une femme sans tête. Ce qui évidemment fonctionne très bien, parce que pourquoi aurions-nous besoin d'une tête quand on cherche une femme, quoi? Eu acho que vocês entenderam, né? Um dos caras esqueceu a palavra sem, sans prise, né? O pegar a cabeça. Então, quero uma mulher sem cabeça. Mas normal, né? É isso mesmo que você está querendo, no final das contas, né? Por que precisa de uma cabeça numa mulher?
Voilà, donc je vais vous laisser voir quelques images. Et ceci, c'est la page centrale de notre livre, la seule où on s'est permis de désobéir à notre propre règle, puisqu'on désobéit à tout, même à nous-mêmes, en fait. Essa é a página central do livro e é a única que eles desobedeceram à regra do jogo, né? Mas por quê, né? A gente pode desobedecer a tudo, inclusive a nós mesmos. Voilà. Donc une fois qu'on avait plus ou moins notre idée de récit, l'histoire est celle-ci, une femme donc cherche des hommes sur internet et le livre va donner à voir ses fantasmes. Então assim, eles já tinham essa ideia do que seria o livro. Era uma narrativa de uma mulher que está procurando seu desejo e esse livro vai apresentar suas fantasias. E dans ces fantasmes, cette femme va convoquer tous les hommes qu'elle aura croisés sur la toile internet au même moment, au même endroit, sa maison et son jardin. Bukake. Então a grande fantasia dessa mulher é que ela iria convidar todos os homens com quem ela já encontrou nesse site ao mesmo tempo encontrar todos nesse jardim. Voilà, et elle va se vivre comme une sorte de reine pouvant dominer toute cette cour d'hommes dont elle va pouvoir faire exactement tout ce qu'elle veut, c'est-à-dire les faire travailler pour elle et puis se promettre un moment de grand plaisir partagé. Então, ela vai viver nesse meio como uma grande rainha e eles vão trabalhar para ela, fazer as coisas para ela e ela vai poder a qualquer momento eles vão fazer os prazeres dela também, o que ela quiser. Voilà. Alors, comme je vous expliquais, je fais souvent un travail qui est partagé entre un intérêt pour les livres et pour les expositions, mais jamais je n'expose, ou pratiquement jamais, je n'expose de planches originales. Quand j'expose même un rapport de bande dessinée, je vais vraiment créer quelque chose qui est fait pour l'exposition. Como ela já falou antes, ela trabalha, tem um prazer partilhado, né, entre exposições e livros, mas nunca expõe originais. Quando ela vai fazer uma exposição, ela produz para aquela exposição e os livros são outro trabalho. E de la même manière que je viens perturber les codes de la bande dessinée en m'inspirant de la peinture, quand je fais des expositions, je ramène les codes de la bande dessinée dans les espaces de la galerie pour réfléchir à comment on peut créer des liens et des nouvelles formes de lecture sur les murs avec des objets en 3D ou en 2D ou de l'animation, etc. Mais vraiment créer un processus de lecture dans l'espace de l'exposition. E ao mesmo tempo que ela gosta de perturbar o que são os códigos das histórias em quadrinhos, quando ela faz a exposição, ela quer trazer os códigos das histórias em quadrinhos para também perturbar o que seria esperado de uma exposição. Pensar também coisas em duas dimensões, em três dimensões, outra forma de ver a imagem. Voilà, et donc de cette manière, je reprends tous les motifs qui étaient dans ce jardin des candidats que vous avez vu sur la double planche. Il y a les buissons, les vases et les hommes candidats qui pleurent en attendant la mère, ce fameux personnage. Então, ela retomou todos esses motivos que foram trabalhados nesse banco de imagens que eles criaram, né? Como os arbustos e também esses homens que ficam chorando, esperando a hora que eles vão agradar, dar prazer à mãe deles, essa mãe do prazer ali. Voilà, donc on a fait une série de une galerie de portraits d'hommes qui pleurent en céramique et on a travaillé sur aussi tous des formats rarement carré ou rectangle, toujours polymorphe, rond ou... Então ela fez essa série, é uma galeria de homens que choram em cerâmica e trabalhando formatos diferentes dos rostos, redondo, mais quadrado. Et de nouveau de ramener les codes de bande dessinée, mais en jouant avec, voilà, comme par exemple de mettre du dessin dans des phylactères pour faire parler les personnages...
E mais uma vez, trazendo de novo o código dos quadrinhos para a exposição, como vocês estão vendo o balão, mas o balão está com um desenho dentro em vez de texto. Donc, chaque expo, donc on a fait versions de cette exposition. Et chaque exposition est extrêmement différente et joue avec l'espace. Et on continue à produire des pièces. Et maintenant, on a des centaines et des centaines de pièces qu'on peut organiser sur les murs ou au sol ou sur des volumes en fonction de l'espace dont on dispose. Então, em cada exposição dessas, a partir desse livro, né, foram 8 versões diferentes dessa exposição, e em cada uma eles produziram novas peças, jogando com o espaço em que eles iam inserir os trabalhos. Eles têm mais de 100 peças, uma centena de peças, que podem se organizar de forma diferente, tanto na parede quanto no chão. Alors, je vais terminer cette partie-ci en racontant une des expos qu'on a faite, c'était à Saint-Pétersbourg, au musée Nabokov. Ela vai terminar contando uma dessas exposições, a última que eles fizeram. Essa foi em São Petersburgo, no museu Nabokov. Voilà, c'était lié à un festival de bande dessinée et nous avions accès donc pour installer notre travail dans ce musée. Sauf que le jour où donc l'installation prend 2 jours. En plus, il y a une énorme peinture murale. Donc normalement, il y a que les candidats, le jardin, etc. Et puis il y a sur la peinture murale, il y a une fois la mère qui apparaît couchée sur une montagne de livres. Ça prend un temps dingue à peindre. Je crois que j'ai... Então essa exposição eles foram levar alguns dias preparando, que tem uma instalação enorme na parede, deu um tempo louco para preparar, 2 dias só pintando uma parte. Voilà. Le problème, c'est que quand on a eu fini le montage de cette exposition, il y a une sorte de grand armoire à glace qui est venue devant nous. C'était un mec qui était envoyé par le musée, enfin qui travaillait pour le musée, et qui est venu devant nous et qui a fait « No nudity ». Donc, quand ils terminaient tout, chegou esse armário para eles e falou « No nudity ». Le problème, c'est que dans nos dessins, il n'y avait que... de la nudité. O problema é que só tinha gente pelada nesses desenhos. Enfin non, certains ont encore gardé leur slip, mais c'est quand même assez rare. Alguns dos desenhos dos homens estavam escondendo as suas partes pudendas, mas era raro. Alors ils nous ont demandé de cacher la nudité. Mandaram esconder a nudez. Et nous ont donné une chouette petite idée. Ils avaient une petite suggestion de éventuellement mettre des petites feuilles d'arbres devant les sexes des hommes. Et la suggestion était de esconder comme as folhinhas de árvore o peru dos caras, dos homens. On ne savait pas très bien si on allait tout enlever, parce que c'était quand même évidemment un peu une catastrophe d'être obligé de changer nos dessins parce qu'il y a. Au jour d'aujourd'hui, en 2017, le musée Nabokov, quand même Nabokov, c'est pas n'importe qui non plus, qui ne peut supporter de voir quelques petits pénis en bande dessinée. Et au premier moment, ils ficaram pensando, non, a gente não vai fazer isso, né? Quase 2017, né? Eu tenho 2 anos atrás disso. Ils ont dû esconder essa a nudez, et ainda mais no museu Nabokov, poxa, gente, é Nabokov, né? Comme on a l'habitude de jouer avec les contraintes, on s'est dit, non, on y va, quoi. On va trouver une idée, on va faire un truc marrant. Et, ok, on va cacher les sexes, mais on va le faire à notre manière, en montrant qu'on a été obligé de les cacher. Mas como eles estão acostumados a trabalhar sob restrições, eles, bom, vamos achar uma coisa bem legal para poder fazer isso, mas a gente vai fazer da nossa maneira e de uma forma que as pessoas vejam que a gente foi obrigado a fazer isso. On va jouer avec la censure en ridiculisant complètement le processus. Et donc, par exemple, sur cette image-ci, où là, on a rajouté des gros points noirs ou des faux slips, comme, mais en fluo, et qui sont mal faits et mal mis, trop grand ou pas tout à fait au bon endroit. Então, botar esses círculos pretos, né, para mostrar bem que era bem censura, ou então essas cuecas fluorescentes
que estão mal colocadas, desproporcionais, para deixar bem ridícula a ideia da censura. Et alors on leur a dit, mais et la femme, est-ce qu'on, la femme, on voyait juste sa poitrine et on dit, mais la femme, est-ce qu'on doit aussi cacher sa poitrine? Et ils nous disent, non, non, la femme, c'est symbolique, mais les hommes, c'est réaliste. Não, 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 não. É, então, perguntaram, né? E aí, a gente esconde os peitos da mulher? Não, o peito da mulher é simbólico, mas os pênis são realistas. Alors, normalement, cette femme, donc la mère allongée sur les livres, elle, à toutes les expos, il y avait une bulle qui disait, et ce soir, barbecue. Então, todo momento tinha essa mulher, essa mãe deitada pelo livro, né, que dizia a todo momento, essa noite, churrasco. Voilà, mais comme là, on a été censuré, on a décidé de faire no skin, no barbecue. Et on a collé des post-it sur sa poitrine. Então, eles decidiram mudar, né, já que estavam censurados, no skin, né, sem pele, sem churrasco. Voilà, un autre exemple de comment on a caché la nudité réaliste. E assim, outro exemplo de como eles esconderam a nudez realista. Voilà. C'est un peu machiste couper, comme ça. Machiste. Matisse. Ah, Matisse, ouais, si on veut. Um pouco Matisse, né? Essas recortes colagens, assim, né? Bem bucólico, infantil, né? Quase. Voilà. Alors. Un petit mot maintenant pour parler de ce travail-ci, donc qui est un de mes plus vieux ouvrages. Então, agora uma palavrinha sobre esse trabalho aqui dela, que é dos primeiros livros. Je vais être beaucoup plus rapide parce que là j'ai parlé très en détail. Ela vai ser muito mais rápida porque ela falou bem detalhadamente do outro. Voilà. Donc juste ce qui est peut-être important à dire dans ce travail, c'est que donc je devais faire une histoire sur Bruxelles. Uma só para situar o trabalho, né? Souvenir d'une journée parfaite. Lembrança de dia perfeito. Era livro que ela tinha que fazer a partir da cidade de Bruxelles. J'ai décidé de raconter une journée récente où j'ai été dans un cimetière pour essayer de trouver le nom de mon père qui avait été incinéré l'année d'avant. Então, ela decidiu contar sobre dia em que ela foi andar pelo cemitério de Bruxelas para procurar o nome do pai dela que tinha sido incinerado o ano anterior. Voilà, en cherchant le nom de mon père, je pense que c'est pas celui-là que j'ai besoin. Ouais, c'est celui-là. Voilà, j'ai commencé à lire les noms qui étaient dans ce cimetière, et lisant les noms qui étaient dans ce cimetière, on s'arrête toujours quand on lit des noms dans un cimetière, et on commence à imaginer quelle a été la vie de la personne, parfois un tout petit enfant de 3-4 ans, ou comme cette fois-là, j'ai vu un mec qui était mort quelques années avant et qui s'appelait Jules César. C'est intriguant. Então ela começou a ler os nomes das pessoas que estavam ali naquele cemitério e começou e nesse processo imaginando a vida daquelas pessoas como tinham crianças pessoas mortas crianças e alguém que tinha morrido bem recentemente cujo nome era Júlio César. Pas facile, hein, de s'appeler comme ça. Não é muito fácil assim de imaginar achar isso. Voilà, et donc je m'arrête sur un nom, Mathias Kahn, et je commence à imaginer quelle est la vie de cet homme qui a terminé dans le même cimetière que mon père. Et aí ela parou em frente a esse nome, Mathias Kahn, estão vendo aqui em cima, e começou a tentar imaginar a vida desse homem que estava enterrado no mesmo cemitério que o pai dela. Et bien sûr, j'invente complètement son histoire. Et é claro, ela inventou completamente a história dele. Et donc vous avez dans ce livre un double récit. D'une part, on pourrait dire soi-disant autobiographique. Je dis soi-disant parce que la seule chose que vous allez apprendre sur moi dans cette autobiographie, c'est que je suis dans un cimetière et que mon père est mort. Alors qu'en fait, dans la partie qui est fictionnelle, où j'invente une histoire, comme je ne suis pas capable d'inventer des histoires qui sont complètement l'opposé de moi-même. Bien sûr, cette histoire que j'invente, elle puise
dans ma propre histoire. Et donc, à travers l'histoire fictionnelle, je raconte beaucoup plus de moi-même qu'à travers ce récit autobiographique. Et donc, ça a été vraiment le début d'une piste de réflexion autour de qu'est-ce que l'autobiographie en bande dessinée ? Est-ce que c'est possible de faire de l'autobiographie ? Est-ce que si on raconte des choses qu'on imagine et qui ne sont pas tout à fait vraies, est-ce que pour autant on est honnête ou pas honnête ? Est-ce que, enfin, c'est quoi la réalité d'un récit autobiographique ? Então, esse livro então, tem essa narrativa dupla. É, primeiro, essa história, que seria uma dita, bem entre aspas, autobiografia, mas não é tão autobiografia, porque a única coisa que é autobiográfico, que a gente sabe, é que ela estava no cemitério naquele dia procurando o nome do pai dela. E essa segunda narrativa, que é a história desse Matias Cão, que ela vai inventar completamente, mas essa história, que é fictiva, na verdade, ela vai trazer elementos que são, de fato, autobiográficos. E, então, ao mesmo tempo que ela está escrevendo essa história, com essa dupla narrativa, vai se perguntando, será que é possível fazer autobiografia em quadrinhos? E como é essa autobiografia em quadrinhos? É possível ser honesto, escrevendo de si? Eu falei para ela que é um pouco o Perreque, né? O Jorge Perreque, que tem a autobiografia dele, é o W, ou A Lembrança de Infância, em que ele traz uma história que ele escreveu infância, aí tem essa... E paralela a essa história que ele escreveu quando ele tinha uns 13 anos, ele vai contrapondo lembranças de coisas que a tia dele dizia sobre infância, porque ele não lembra da infância dele. Mas eu perdi... Pardon, je parlais de... Je expliquais W... Non, non, j'ai bien compris, mais j'ai... Voilà. J'avais perdu... Voilà. Alors... On va arriver maintenant à mon vrai, entre guillemets, vrai livre autobiographique. Agora ela vai chegar no realmente o livro autobiográfico dela. Faire semblant, c'est mentir. Significa fingir é mentir. Faire semblant não é a palavra fingir exatamente, né? É parecer também. Tu peux remettre l'image un peu plus grande. Oui, c'est... Alors, comme je vous avais dit tout au début de la conférence, j'ai eu un passé en fait très difficile qui a fait que j'avais en moi beaucoup de violence parce que en fait ça bouge tout seul, c'est normal, ça slide. Je voudrais que tu arrêtes ça si possible. Tu ne sais pas l'arrêter. Donc, merci. On ne peut plus l'avoir en tout grand, alors. Moi, j'ai grandi dans une famille avec un père qui avait des très sérieux problèmes d'alcool, mais surtout une mère extrêmement violente. Enfin, plus exactement, qui était capable de très grandes violences. Perdão, estou prim. Como ela disse que disse, mas não disse, no começo da conferência, né, teve um passado bem difícil de violência. Ela cresceu numa família com um pai com problemas bem sérios, bem graves com álcool, e uma mãe capaz de muita violência. Il y avait nombreuses scènes absolument horribles, on va dire, qui se sont produites, mais surtout une punition en particulier qui était très imagée et que je savais depuis de nombreuses années que je voulais traiter en art, c'est-à-dire en faire un matériau artistique pour pouvoir le mettre à distance. Aconteceram numerosas cenas que não tem uma palavra além de horrível para dizer. Mas teve uma punição, um castigo em particular, que ela, desde aquela época, ela sabia que ela, um dia ela tinha que tratar com a arte para modificar isso, alterar isso. Voilà. Donc, pour l'histoire, par exemple, cette punition, autour de l'âge de 5 ans,
quand mon frère ou moi faisions quelque chose que ma mère voilà, réprouvait, elle pouvait tout d'un coup s'énerver, perdre totalement son sang-froid. Et donc, elle nous menait au grenier. Mais comme elle pensait que le grenier, c'était peut-être encore trop sympathique d'être enfermé dans le grenier quand on a 5 ans, parce qu'il y a moyen de chipoter dans les coffres avec les vieux vêtements, etc. Elle nous attachait à une poutre avec une corde à chaque poignet. Então, esse castigo aconteceu na idade de 5 anos. Foi ela ou o irmão dela que fez alguma coisa que a mãe não gostou, podia reprovar. E ela rapidamente levou os dois para o sótão, que já é um movimento bem duro, né? E ali ela amarrou os dois com uma corda num pilar. Oui. Et donc, évidemment, comment raconter ce type d'événement, une chose extrêmement dure qui vous est arrivée, impliquant aussi des gens que vous connaissez. Bon, évidemment, ce n'est pas évident. Donc, ce livre a pris 12 ans parce que j'avais avec ma mère une relation très épisodique. Et chaque fois qu'elle revenait dans ma vie, je devais mettre mon livre en hibernation. Então, a pergunta era como contar esse acontecimento, que é uma coisa tão dura, algo que aconteceu com ela, implicando também alguém que ela conhece, a mãe. Então, ela levou 12 anos para poder tratar esse assunto, sempre tratando, porque cada vez que... Eram encontros raros, episódicos com a mãe, e a cada vez que ela encontrava, ela tinha que deixar o livro de lado, não podia fazer aquilo naquele momento. Et alors, bien sûr, tout le problème quand on commence une autobiographie, c'est est-ce qu'il faut raconter les choses factuellement en prenant le plus possible de distance avec le côté émotionnel nombriliste, ou au contraire, est-ce qu'il faut plonger à l'intérieur de soi et aller au plus proche de ses émotions, au risque de tomber dans un truc un peu peut-être pathos, quoi. É claro, né, que todo problema, quando se você começa a fazer uma autobiografia, é saber tomar distância, entender o que pode, de fato, mergulhar ou o que tem que se separar, arriscando sempre cair no pathos. Alors, chaque fois que je revenais vers mon récit, parfois après des pauses de 2 ou 3 ans, je reprenais complètement la narration et je transformais le récit. Par exemple, une des fois, j'ai décidé de additionner pas seulement mon histoire du passé, mais aussi l'histoire du présent. Et comme je l'avais fait dans le livre précédent, de faire se croiser des récits, par exemple, avec des temporalités différentes ou des personnages différents. Donc, à un moment, j'ai croisé mon présent amoureux avec ses souvenirs du passé. Cada vez que ela voltava ao livro, às vezes passavam 2 ou 3 anos sem que ela produzisse, ela acabava mudando um pouco o caminho de narrativa. Às vezes, a um dado momento, ela decidiu adicionar também coisas que estavam acontecendo no presente. E cruzando, e depois passou a cruzar as temporalidades, colocando fatos que tinham acontecido no passado com elementos do presente, como, por exemplo, a pessoa com quem ela estava no presente acabou aparecendo em momentos do passado. Voilà. Et donc, en fait, j'ai pris, on arrive là au fameux chapitre 3 où je dois raconter cette punition, et j'ai pris le parti de prendre des distances avec le récit et de rester simplement sur du hyper factuel. Então, chegou esse momento em que ela, de fato, conta esse castigo, que está no capítulo 3 ou 4? C'est le chapitre 3, peu importe. Capítulo 3, em que ela decide finalmente tomar distância, se ater aos fatos. Voilà. Et donc, je finis mon livre après 12 ans et je le remets à mon éditeur. Aí, finalmente, acabou o livro depois de 12 anos e entregou ao editor. Voilà. Jean-Christophe Menu, des éditions L'Association.
Na época, o Jean-Christophe Menu, que estava à frente da editora, l'Association. Alors, il lit mon récit et il me dit, écoute, Dom, je suis un peu troublée parce que je lis ton récit et je dois t'avouer que par rapport au chapitre 3, le fameux chapitre, je n'ai pas éprouvé grand-chose. Tu racontes ça d'une façon tellement distanciée que c'est comme si je lisais que tu allais à la poste. Non, mais c'est surtout ce chapitre-là qui est supposé être quand même, tu vois, extrêmement dense, quoi. Então, quando ele leu, ele falou para ela: "Eu acho que está muito distante, está muito frio do que você está contando." Ele ficou perturbado, com exceção desse capítulo. Et donc il me dit, je ne sais pas si tu es consciente de ça et si c'est ça que tu as voulu, mais en tout cas, voilà, je suis obligée de te le dire, quoi. Et je suis tellement choquée parce que j'ai travaillé 12 ans sur ce livre et puis c'est quand même ma vie et tout. Et je suis un peu fâchée et je lui dis, mais bien sûr que c'est ça que j'ai voulu, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un tire-larme, tu veux faire pleurer les gens et tout sur mon histoire, je suis la victime et tout. Ele achou estranho que ela fez livre assim, sem muita emoção. E ele perguntou para ela, é isso mesmo que você quis? E ela ficou um pouco irritada, não entendeu muito bem o que ele achou e disse, como assim? Você queria que eu fizesse o quê? Um melodrama, que as pessoas ficassem chorando? É isso mesmo que eu quis, e daí? E donc, il dit, non, mais si c'est ça que tu as voulu, je le publie comme ça. Aí ele disse, tá bom, se você é assim, tudo bem, vou publicar. Donc, je laisse passer quelques jours, et après quelques jours, évidemment, je me dis, non, ça va pas, et je décide de tout recommencer, tout ce chapitre. Então, depois de alguns dias, três dias, ela pensou, não vou deixar assim, e decidiu recomeçar tudo, principalmente esse capítulo. Sauf que, en fait, il y a eu un tel temps de gestation que, finalement, le fait de refaire ce chapitre est venu très rapidement. En deux mois, je l'ai bouclé, quoi. Mas, depois de 12 anos de gestação, quando ela foi refazer esse capítulo, foi muito rápido. Combien de mois? Deux mois. Em dois meses, ela terminou tudo. Et en fait, c'est là que j'ai compris vraiment la magie d'un récit en bande dessinée, qu'il soit fictionnel ou autobiographique. Et foi aí que ela entendeu que é a magia das histórias em quadrinhos, seja ele ficcional, ela ficcional ou autobiographique. Comment faire pour que un récit de bande dessinée touche au plus près? Como fazer que uma história em quadrinhos toque ou chegue perto disso, de tocar alguém? Alors, on revient donc sur cette idée de autobiographie. L'autobiographie en bande dessinée est-elle possible? En fait, non. Puisque, la réalité, l'autobiographie est supposée montrer la réalité. Si je parle de ma réalité de quand j'avais 5 ans, je parle de mon ressenti face à cette réalité. Si je demande à ma mère de raconter exactement la même période, elle va raconter une toute autre histoire. Donc il n'y a déjà pas de réalité. Então, retomando essa ideia de autobiografia, se seria possível, ela viu que não é possível. Porque quando ela vai contar fato que aconteceu quando ela tinha 5 anos de idade, ela vai contar o que ela sentiu. Se ela pedir à mãe dela que conte essa mesma história, vai ser uma história completamente diferente. Então, não tem como fazer uma realidade, porque nunca vai chegar, a realidade não vai ser possível. Voilà, et donc, je me suis dit, en fait, l'autre chose, c'est que la bande dessinée est évidemment le médium de, comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, l'ellipse. Et autre chose, c'est que le quadrinho, principalement, est une média qui crée à partir de l'ellipse. Donc, à partir du moment où il y a ellipse, il y a une nouvelle tromperie, on va dire, puisqu'on choisit de prendre ça et ça et de le mettre ensemble, mais ça n'existe pas ensemble. Parce que, comme il y a ellipse, si vous choisissez de colocar isso et isso ao lado do outro, faire cette montagne, já não é real, já tem uma nova enganação da história em quadrinhos, porque essas duas coisas, elas não estão juntas. C'est de nouveau un parti pris arbitraire. É mais uma vez uma tomada de posição arbitrária. Alors, je me suis dit, en fait, il faut pas parler de réalité, il faut parler de vérité.
Então, ela chega a essa conclusão, que não se deve falar de realidade, mas de verdade. Alors, quand j'ai commencé à me questionner sur ma vérité, je me suis demandé, mais quelle était ma vérité par rapport à ma mère ou par rapport à mes parents? Então, quando ela começou a se questionar o que, que é a verdade, ela começou a pensar o que seria a verdade dela em relação a seus pais, a verdade dela em relação à sua mãe. Eh bien, ma vérité, c'est que même si ma mère a fait des choses parfois monstrueuses, ma mère, je l'adorais. A minha verdade, mesmo se eu tenha vivido coisas que minha mãe fez que foram horríveis, a minha verdade é que a minha mãe eu adorava. Alors je pense que si j'arrivais à faire en sorte que le lecteur lise un récit où il voit une mère torturer son enfant ou en tout cas faire des choses super extrêmes et arrive à avoir de l'empathie pour ce personnage, voire ressentir même une sorte de affection, alors ce livre est gagné. Então, se ela conseguisse fazer uma forma de narrativa em que você pudesse ver uma mãe que tortura os filhos, mais pour tout, pardon, excuse-moi, je crois que t'es e ao mesmo tempo você ter uma espécie de afeto por ela, aí sim ela teria conseguido fazer o que ela queria, o livro. Et pour tout dire, c'est pas seulement un livre qui réussit, c'est aussi cette mise à distance. Si j'arrive à faire quelque chose de beau, et c'est beau de à partir du moment où j'arrive à ne plus montrer ma mère comme la méchante, le grand monstre, mon père, le lâche, et moi, la pauvre petite victime, alors toute mon histoire est à distance, et c'est fini. Je ne sais pas si j'ai pas compris la fin. Donc, tentar fazer essa mãe que não seja uma mãe horrível, mas tomar essa distância para que você entendesse como ela adora a mãe. Eu não consigo explicar. Mas justo, tu arrives à mettre les choses à distance parce que tout d'un coup tu vois le beau. É colocar essa distância para que você visse o belo dessa relação. Par la création en fait. Pela criação. Voilà. Et donc OK, à ce moment-là, je me suis dit qu'est-ce qui fait que j'aimais ma mère? En fait, j'aimais ma mère parce que elle passait beaucoup de temps avec moi et notamment elle jouait beaucoup de jeux de société avec moi. Nesse momento-là, nesse momento aí, ela foi tentar entender por que ela amava a mãe. O que que fazia ela continuar amando essa mãe? E ela começou a perceber que a mãe passava muito tempo brincando, tinha jogos de tabuleiro que passavam muito tempo com ela. Voilà. Et on jouait toutes sortes de jeux, le Monopoly, les dames, les échecs. Mais il y en avait un qu'on jouait tout le temps. Et c'est fou parce que je m'étais jamais rendu compte de son titre. Et je me suis dit, ah, mais ça, c'est intéressant. J'imaginais de mettre le pire et le meilleur de ma mère ensemble, c'est-à-dire la punition et puis le jeu, parce qu'évidemment, je ne me souviens pas d'avoir fait un jeu avec ma mère juste après une punition horrible comme ça, mais le fait de les mettre ensemble allait raconter quelque chose qui est de cet ordre de la vérité, ce contraste entre le pire et le meilleur. Et quand tout d'un coup j'ai repensé à ce jeu, je me suis dit, Alice, ça c'est fou. Et donc ça donnait quoi? Mais peut-être tu peux déjà commencer par ça. Parce que je vais... Então, ela começou a tentar a ver, já que ela gostava tanto da mãe porque brincava, se ela colocasse lado a lado o pior e o melhor, elas brincavam muito em banco imobiliário, damas, xadrez, e tinha uma brincadeira, um jogo que brincava o tempo todo, mas ela não lembrava, não conseguia lembrar do nome. Então, ela percebeu que, para poder mostrar porque ela amava essa mãe, tinha que colocar essas coisas lado a lado. E foi reunindo assim, em contraste, montagem do melhor e do pior juntos. Oui, et donc, c'est ce patchwork, le fait de coudre ensemble des choses vraies, mais qui, ensemble, n'ont pas existé comme ça. Donc, c'est une forme de mensonge, quelque part. Une sorte de trafication, quoi, tu vois. Esqueci de dizer que, porque nunca aconteceu isso, né? Nunca aconteceu dela mãe torturar e, de repente, brincar. Essas coisas nunca vieram juntas. Mas, a partir do momento que ela tentou montar esse patchwork, costurar esses momentos, que é uma forma de mentir, é uma mentira que ela está fazendo. Et ce jeu s'appelait Ne t'en fais pas. Et donc, attends, je termine juste. Et donc,
Vous imaginez la scène. Ma mère me met au grenier. Elle vient me libérer. Elle me propose un jeu. Quel jeu? Ne t'en fais pas. E aí, de repente, ela lembrou do nome. Ne t'en fais pas. Não se irrite, não fique mal. O jogo... então, ela colocou isso. Uma hora em que a mãe está torturando ela no sótão, e de repente ela chega e pergunta, vamos brincar de um jogo? Qual jogo? Não se irrite, não fique mal. C'est ça la magie, en fait. C'est ça la magie de la bande dessinée, je crois. La magie de la bande dessinée, c'est comment on coud ensemble des choses qui, a priori, ne fonctionnent peut-être pas ensemble, mais créent un clash, un travail autour du décalage et à les mettre ensemble de façon à trouver comme un troisième sens, comme un jaillissement de... E essa é a magia da história em quadrinhos. A possibilidade de colocar duas coisas totalmente diferentes, colocar em choque, em clash mesmo, e fazer daí uma outra coisa, sair um sentido totalmente diferente. Voilà, je crois donc aujourd'hui qu'il n'y a plus de autobiographie ou de fiction. Ça ne m'intéresse plus tellement de savoir si c'est l'un, si c'est l'autre. Parce que je crois que la fiction, c'est de l'autobiographie ou... L'autobiographie, pour moi, peut même utiliser le mensonge. On peut raconter une histoire fausse pour se raconter. Ce n'est pas faux ce que j'ai raconté, mais ce n'est pas non plus la réalité. Então, sobre o que é autobiographie e ficção, não importa saber se aquilo ali realmente aconteceu, se é fictivo ou não. Porque até quando a gente conta uma história ficcional, aquilo também sai... de si est autobiographique. Non est nécessaire cette division. Voilà. Je ne sais pas si vous avez envie de qu'on s'arrête là, sans quoi je peux rapidement encore montrer quelques images de chronographie pour que la boucle soit bouclée, puisque après ce livre-ci, je suis devenue maman. Então, ela não sabe se vai dar muito tempo, ela vai mostrar algumas imagens do outro livro para fechar esse ciclo. Quando ela terminou de fazer o Faire semblant, c'est mentir, ela se tornou mãe também. Oui. E cronografias, que é o... Alors, vous pouvez imaginer que j'étais assez inquiète de la maman que j'allais être. Então vocês podem imaginar que ela estava muito preocupada de que mãe ela seria. Donc j'avais ma petite fille qui avait 7 ans et je me demandais si j'éprouvais cet amour maternel que d'autres femmes semblent avoir, l'espèce de instinct maternel. Et donc j'ai eu envie de répondre à cette question par le dessin. Comme j'ai pu le faire au travers les questions que je me posais avec ma mère à moi. Então, ela queria saber se ela ia ter o que as pessoas chamam de instinto maternal, será que isso existe? Começou a se preocupar de como fazer isso. J'ai oublié. Et donc, voilà ce que je lui ai proposé quand elle avait 7 ans. J'ai demandé à Nikita si elle serait d'accord pour que, une fois par semaine, je fasse son portrait à elle et elle ferait son portrait à moi. Ainsi, on pourrait raconter le lien qui nous unit à travers ce double portrait. Et je lui dis, tiens, est-ce que tu serais d'accord qu'on fasse ça pendant 10 ans, une fois par semaine? Então, quando a filha dela tinha 7 anos, a Nikita, ela perguntou para ela se ela poderia fazer um desenho dela, da filha, e a filha desenhar a Dominique. Será que elas poderiam fazer isso uma vez por semana durante 10 anos? Essa foi a proposta que ela fez à filha de 7 anos. Alors, évidemment, elle avait 7 ans, 10 ans, elle me fait, ouais, c'est super. N'a aucune idée de ce que ça veut dire 10 ans, évidemment, quoi. Pure abstraction. Então, ela, por 7 anos, pensou assim, ah, 10 anos, ok, legal. Ouais, vamos super. Lá. Trop cool, quoi. Oui, attends d'avoir 14 ans, quoi, tu verras. Não, mas espera só quando você chegar aos 14 anos, você vai ver o que é isso. Ela não tinha...
complètement noção de abstração do que seriam 10 anos. Donc moi, j'ai voulu répondre à cette question du lien avec ma fille. Comme vous avez compris, pour moi, l'amour qu'on a avec les gens, c'est le temps qu'on passe ensemble, comme ce temps qui était partagé avec ma mère. Donc j'ai proposé cette grande tranche de vie à Nikita, qui aussi traverse les plus grands changements. Et voilà, je voulais savoir un peu comment allait se mettre le temps entre dans ce travail qu'on allait faire ensemble. Est-ce que ça allait être une simple accumulation de dessins, un poids énorme de double portrait, ou est-ce qu'il allait se passer autre chose? Então, ela quis responder essa questão, que seria, como se funda o laço entre as pessoas. E para ela, a ideia é que o amor acontece pelo tempo que se passa junto. E como seria, como é o amor pela mãe dela, também era o tempo que ela passava junto brincando com os jogos. E ela quis ver o que ia acontecer nesses 10 anos com esses desenhos que ela ia fazer. Seria só uma acumulação, um peso de papel... Et accumulado. Le temps, en fait, s'est mis à un endroit que je n'expectais pas. Et c'était pourtant très simple. C'est qu'à travers les portraits que Nikita faisait de moi, évidemment, son style entre 7 et 17 ans a complètement évolué. Mais mon physique n'a pas trop changé. À travers les dessins que moi j'ai fait d'elle, mon style n'a pas tant changé. Mais par contre, son physique a complètement changé. Et donc, on a vraiment eu un lent mouvement parallèle et contraire au milieu duquel... On trouve le rapport de temps. E o tempo, né, nesse sentido, foi isso. Ao mesmo tempo que ela, a Dominique, não mudou tanto, e a Nikita, ela mudou tanto o estilo completamente, né, dos 10 aos 17 anos, e o físico mudou muito. E o tempo foi vendo o que acontecia ali no meio entre elas, entre uma imagem e outra. O estilo do Dominique não mudava tanto, mas o desenho da filha, o retrato da filha que mudava, porque a filha mudou muito. Voilà, je terminerai juste sur une phrase par rapport à ce livre qui en fait est une sorte de boucle voilà, de mon intérêt et pour l'autobiographie et pour la bande dessinée expérimentale. Ce qui m'intéresse, c'est comment on peut faire bouger les barrières et les frontières d'un médium. Então, ela vai só terminar sobre essa uma frase sobre esse livro que encerra esse ciclo sobre a questão do que é autobiografia, o que é a questão materna, que também é uma tentativa de mexer as barreiras, as fronteiras entre a arte, o quadrinho e a questão émotionnel. Ce livre a été publié à l'association qui normalement ne publie que de la bande dessinée. Il est publié dans l'association qui normalement ne publie que quadrinho. Ils ont reçu le support en France du gouvernement, donc de la commission de bande dessinée pour publier ce livre. E mesmo assim, esse livro conseguiu um apoio de uma comissão especializada em financiar livros de quadrinhos. Alors, il faut aussi ça. Enfin, et ce livre a été sélectionné comme un des 50 meilleurs livres de bande dessinée d'Angoulême. Et ficou entre os 50 melhores livros de quadrinhos selecionados por Angoulême no ano que foi lançado. Alors, évidemment, je ne dis pas ça pour que vous me fassiez bravo, c'est super. Mais pour dire combien, pour moi, il est important de participer au fait très librement. En faisant vraiment à fond ce qu'on doit faire, comme on veut le faire, et de participer à ce mouvement de faire bouger les barrières comme ça. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment fabuleux, quoi. Bon, elle está dizendo isso para que vocês aplaudam e tal, digo, ah, muito bem, você fez isso, mas para mostrar como é importante que esse livro conseguiu ir a fundo nessa investigação da história em quadrinhos e ao mesmo tempo conseguir mexer com essas questões, com os códigos. Voilà, bien sûr. Si je devais vous poser la question, est-ce que c'est une bande dessinée? On peut certainement avoir une discussion intéressante sur ce sujet, mais ce qui est certain, c'est que il s'agit tout de même d'un rapport séquentiel, puisqu'on ne peut intervertir aucun des dessins. Il y a un ordre qui est la chronologie, qui raconte le lien, et donc il y a un début et une fin.
et il y a une lecture. Donc, si elle fosse perguntar para você, será que é quadrinhos? É, não é uma pergunta que é um pouco difícil de responder, mas o certo é que é sequencial e não se pode inverter a sequência nessa história, que é uma que é a sequência cronológica que é importante para mostrar como aconteceu esse percurso. Voilà, alors on peut dire que c'est le plus petit dénominateur commun de la bande dessinée. Deux cases et pas de texte. Então pode-se dizer que é o menor denominador comum de uma história em quadrinhos, é, que é, são dois quadros em sequência. Voilà. Et sem texto, obrigada. Voilà, je vous ai fait comme ça un peu un panorama complet et vous pouvez réagir. Pronto, ela fez o panorama completo, vocês podem intervir, perguntar. Avec Nikita, je me suis fortement rapprochée, mais pas avec ma mère. Com a Nikita, ela se aproximou muito, mas não com a mãe dela, com a mãe da Dominique. Non, avec ma mère, ça a été la rupture définitive, en fait. Elle a vu le livre et ça a eu des conséquences très graves. Mais bon, c'est bien comme ça. E com a mãe dela foi o Fersamblan, né, foi a ruptura definitiva. Ela leu o livro e depois disso elas nunca mais voltaram a se falar, mas para Dominique é o melhor. Parce qu'un des autres avantages d'avoir fait ce livre et d'avoir mis à distance tout ce matériau, c'est qu'aujourd'hui, je n'adore plus ma mère. Et que autre avantage de ter feito esse livro e tentar aproximar essas duas coisas é que depois de ter colocado à distância a situação, ela não adora mais a mãe. Parce que cette adoration, elle était liée aussi à la peur, en fait. Porque é uma adoração que, na verdade, era ligada ao medo. Même si il y avait aussi du très très bon chez ma mère, et je veux dire le meilleur et le pire, mais juste aujourd'hui, je n'ai plus besoin de ça. Mesmo se tinha realmente muitas coisas boas da mãe dela, como ela disse, tinha o melhor e o pior, mas hoje ela não precisa mais da mãe dela. On me demande d'ailleurs souvent, est-ce que c'est pas un peu thérapeutique, c'est pas un peu comme une thérapie, une bonne psy, mais pour moi, transformer en récit des choses qui nous sont arrivées, c'est mieux qu'une thérapie et en tout cas très différent. Parce que, par exemple, dans une thérapie, on va être amené à peut-être aller reconnaître les faits monstrueux comme étant des choses monstrueuses, alors que ce que je trouve intéressant dans l'art, c'est on peut parler de... par exemple... on peut très bien parler d'un viol en parlant d'une part du désir qu'on a eu soi-même. Et je pense que ça, c'est un rapport très différent de ce qu'on va aller chercher dans une thérapie. Même si, in fine, l'effet peut être guérissant. E muitas vezes pergunto para ela, será que foi terapêutico fazer isso? Foi uma terapia fazer essa história? É um pouco diferente, porque na terapia vai tentar entender que o monstruoso foi monstruoso como tal. E nesse caso, como ela toma a distância, ela transforma em outra coisa. Às vezes, se você vai contar uma história de estupro, você pode tentar contar essa história de estupro do ponto de vista do seu desejo. E assim, de certa forma, modificar a relação. Não é tanto uma terapia dessa forma. Je vous ai vraiment assommé, quoi. Ils sont morts. J'ai failli pleurer. J'ai failli pleurer. Longtemps sur ce que tu vas faire, et quand tu commences à faire, tu changes
le procès ? C'est une bonne question. Franchement, ça dépend de chaque projet. Il y a eu, par exemple, chronographie. J'ai tout de suite eu l'idée finale. Mais évidemment, le processus était beaucoup plus simple. Et pour moi, la réussite de ce travail était les 10 ans. Si on avait fait 5 ans, ça aurait été déjà génial entre Nikita et moi, mais je ne l'aurais pas publié. C'était mon challenge. Et bien sûr, je devais respecter, et il n'y aurait d'ailleurs pas eu moyen de faire autrement, l'envie de mon enfant. Moi, je sais me discipliner, mais je ne peux pas obliger mon enfant à dessiner si elle n'avait vraiment plus envie de le faire, quoi. É, isso depende de cada projeto. Em cronografia, por exemplo, ela tinha uma ideia já certa, que ela seguiu até o final, que era fazer esses 10 anos acontecerem. Esse era o challenge, né, dela. É, mas que também dependia da vontade da filha dela. É, ela é uma autora, ela pode se disciplinar, mas ela não poderia disciplinar tão duramente a filha dela. Se ela quisesse parar aos 5 anos, ela pararia. Mas ela não ia publicar o livro porque a ideia era publicar depois de 10 anos apenas. Par contre, en bande dessinée, je trouve ça très intéressant de travailler sur des projets, enfin bon, vous avez compris que quasiment tous mes projets prennent 10 ans, mais heureusement, j'en commence plusieurs en même temps et je trouve en fait c'est extrêmement bénéfique de laisser parfois reposer un travail parce que quand on y revient, c'est comme si le travail avait continué dans la tête et tout d'un coup, on va l'aborder par une autre porte. Et souvent, cette autre porte est plus intéressante que la première. Por outro lado, nas histórias em quadrinhos, ela gosta de trabalhar projetos, vocês viram que tomam muito tempo, 10 anos. E, felizmente, ela está começando a fazer vários trabalhos ao mesmo tempo, vários projetos ao mesmo tempo, o que dá a possibilidade de, às vezes, deixar um descansar. E toda vez que ela volta a esse projeto, ela acaba entrando por uma porta diferente. E aí isso vai modificando. Ça permet d'éviter la première bonne idée, en fait. E assim ela consegue evitar essa primeira boa ideia. Dans l'école où j'enseigne la bande dessinée, nous avons un nom très pompeux parce que c'est une école très art contemporain. Donc la section dans laquelle j'enseigne, c'est narration spéculative. Good luck. Então, na escola em que ela ensina, ensina quadrinhos, né, uma escola de belas artes, eles têm até um nome muito pomposo para isso, né? Narração especulativa. Alors je vais essayer d'un peu expliquer ça en deux lignes parce que c'est quand même très intéressant. Pour caricaturer ce que veut dire spéculatif ou narration spéculative. Je vous donne un petit exemple. Ce serait si j'ai un étudiant, par exemple, qui veut raconter l'histoire de son grand-père pendant la Grande Guerre mondiale. Il va être invité, par exemple, à raconter les choses en se déplaçant autour de son sujet, sans l'aborder par un point de vue unique, son grand-père. Mais qu'est-ce qui se passerait s'il racontait la même histoire, racontée par le cheval qui tirait la charrette, ou une pierre? En fait, c'est changer d'angle pour être plus dans une sorte de conscient ou de subconscient. Aller plus loin, en fait, que son propre nombril. Então, ela tá tentando caricaturar o que quer dizer narração especulativa. Né? Por exemplo, aluno chega, ele quer contar a história do avô que viveu na Segunda na Guerra Mundial. Mas ele tem que passar pelo objeto, essa história do avô, sem contar de um ponto de vista único, sem contar o avô, como aconteceu tudo com ele, mas pensar, por exemplo, ponto de vista a partir de uma pedra na história, ou de um cavalo. E a ideia é de multiplicar os pontos de vista e tirar um pouco da consciência, o que é o totalmente consciente, e ir para o inconsciente e ir transitando entre esses pontos. Você ainda é estudante? Ah, d'accord. Donc vous avez fini les études? Você já terminou as aulas, a faculdade? Ah oui. En tout cas, une chose que je trouve vraiment ultra important, c'est véritablement de faire ce qu'on a envie de faire. Et de pas trop faire de concessions parce qu'il faut gagner sa vie, parce que
Je pense qu'il est préférable d'essayer de gagner sa vie en dehors du dessin, plutôt que de faire du dessin qu'on n'a pas envie de faire, ou pour des, par exemple, des pubs dégueulasses pour des banques ou des trucs comme ça, qui ne sont pas en conformité avec votre désir. Pourquoi je dis ça ? Je m'en fous en fait de la morale, hein. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est le chemin qu'on prend. Le chemin qu'on prend quand on commence à faire des choses un peu pour le mainstream, parce qu'on doit gagner sa vie, etc. En fait, on se trace un chemin. C'est beaucoup plus difficile après de se dire « Et maintenant, tout d'un coup, je vais faire du expérimental. » Ou vice-versa. Une fois qu'on a commencé à faire vraiment de l'expérimental, c'est difficile après de se dire ben, « Maintenant, je vais faire un truc super commercial. » C'est vraiment un choix de position. Je pense que ce choix de position, il est presque plus important que tout, en fait. Então, ela está perguntando isso porque uma coisa que ela acha muito importante e o que ela diz para os alunos dela é que tem que escolher o que quer fazer, o desenho que quer fazer, sem fazer muita concessão para ganhar dinheiro. É melhor escolher ganhar dinheiro com uma coisa que não seja o desenho. Porque se você quer fazer uma... Não é? Ela não está... Se você vai trabalhar para fazer propaganda, ganhar dinheiro fazendo... desenho para banco, o problema não é moral aí, não é questão, isso não é importante, mas quando você escolhe um caminho, se você começa a fazer experimental e aí depois vai seguir para o comercial mainstream, é difícil mudar essa via. É bom ir ganhar dinheiro com outra coisa que não seja desenho para não confundir e seguir sempre o ritmo, o caminho que você quer de verdade. Et par exemple, je trouve beaucoup plus important de stopper ces études que de les continuer si on ne prend pas plaisir. Et pour moi, c'est plus important, par exemple, quand je vois quelqu'un comme vous qui est ici, qui prend sur son temps pour aller dans la curiosité écouter quelqu'un, que d'aller à l'école. On n'a pas besoin de faire une école pour faire de la bande dessinée. Então, ela acha muito importante ter parado os estudos. É melhor você fazer uma coisa que realmente gosta, que te dá prazer, do que continuar estudando só para poder seguir um caminho e tal. É mais legal você escolher estar aqui, ouvir alguém que você está interessado, do que continuar um caminho tedioso. Mas, objetivamente, fazer de la bande dessinée, c'est héroïque, je crois. Mas, je ne dis pas que je suis un héros, mais je trouve que faire de la bande dessinée, c'est héroïque. Mas, objetivamente, fazer quadrinhos é heróico. Não é ela está dizendo que ela é uma heroína, mas ela acha que é uma coisa difícil, heróica mesmo de se fazer. Ça s'apparente à un travail de moine, quoi. Parece um trabalho de monge. Dans la solitude et le long terme, c'est long, c'est lent. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs, quand ils passent à d'autres médiums, comme par exemple Marjane Satrapi, après qu'elle ait fait son film d'animation... Elle n'est plus jamais revenue à la bande dessinée. Je ne sais pas si elle va pouvoir revenir un jour à la bande dessinée. Parce que la bande dessinée, c'est vraiment un médium difficile. Je trouve splendide, tant qu'il y a tellement il y a des possibilités. Mais c'est bien dur, quoi. Mas objetivamente, né, porque é realmente difícil trabalhar nas histórias em quadrinhos. É longo, é lento, é difícil. E até, em geral, os autores que vão mudar de ramo, como a Marjane Satrapi, que ela citou, que foi para o cinema... ela nunca mais conseguiu voltar para os quadrinhos, porque é muito difícil fazer quadrinhos, mesmo sendo uma mídia esplêndida, excelente, com tanta coisa para se fazer. Oi? Tu voulais dire que... Oi? Se aceitando ou se chegou a um denominador comum.
Non. Non, non. Le seul truc, ce qui est intéressant dans une bataille comme ça avec une personne, dans une collaboration, c'est que c'est plus toi en tant qu'artiste, ni l'autre en tant qu'artiste, ça devient une troisième personne. C'est très bon pour l'ego de n'être plus l'artiste, à la fois parce qu'on ne prend pas toutes les responsabilités sur les échecs, à la fois parce qu'on n'a plus à se questionner. Enfin, c'est, ouais, je trouve que c'est ça le plus intéressant. Et de temps en temps, tu reçois des pages, c'est un genre... Quand ils m'envoyaient des pages trop bonnes, j'étais KO. Je ne pouvais plus, la page d'après, je ne pouvais pas faire un truc bon, parce que j'étais... C'est... Et puis après, je reprenais, et puis je lui envoyais une planche qui, lui faisait un... Et boum, c'est vraiment comme un combat de boxe, c'est trop bien. Non, ela não sentiu essa questão cultural, mas não é o que ela sentiu que não é mais você que está fazendo. Quando os dois estão fazendo juntos, vira uma terceira pessoa. E não tem que também você perde um pouco o ego, perde também a responsabilidade quando tem a falha, alguma coisa está frustrada, um erro. É, e às vezes era ainda mais difícil porque realmente era um duelo, um combate. E ele mandava uma página, ela ia nocaute, e como é que respondia a isso? E aí ela mandava uma coisa mais forte, pum, um soco nele e tal. E ia acontecendo. Mas eu acho que as colaborações, em geral, são realmente uma boa coisa, porque isso nos permite de ir visitar des lieux onde não podemos ir tout seul. Quoi. Como quando eu estou aqui. Et que j'étais avec des amis brésiliens, m'ont montré des espaces. C'est exactement la même chose. Quand on voyage et qu'on peut être accompagné par quelqu'un, l'autre personne t'ouvre une porte que tu ne peux pas ouvrir tout seul. Pour l'instant, je fais une collaboration avec un artiste handicapé mental. C'est génial, quoi. C'est génial. Et là, il y a zéro ego. Et c'est plus. On sent. C'est comme quand vous dessinez avec un enfant. Et du coup, vous n'avez plus du tout de peur. Trop bien, ça c'est super. Mais le gars, il est trop doué, quoi. Nous, en fait, ce qui nous abîme, c'est la peur. Hein. C'est la peur et la comparaison. Si on arrivait à dessiner sans peur et sans comparaison, on serait très bon, quoi. Et en même temps, ces collaborations sont bonnes parce que dá para ver esses lugares diferentes do que você iria sozinho. É, a outra pessoa acaba abrindo portas para você que você nunca ia abrir sozinho se você estivesse nesse lugar. Aí ela compara que está aqui em São Paulo, né, vai com alguém daqui local, leva ela para um espaço que ela nunca veria se ela fosse olhando guias. É, agora, por exemplo, ela está trabalhando num projeto com Dominique Théâtre, que é um projeto, é parte de uma organização que trabalha, coloca artistas contemporâneos com pessoas com deficiência mental. É, o livro, eu já falei um pouco do livro, vai se chamar Dominique Goblet e Dominique Théâtre, também belga, é um rapaz, ele teve um acidente, então desde os anos 80, perdeu um pouco a memória, e é praticamente, eu estava falando que é genial o trabalho dele. É uma coisa totalmente solta, sem amarras. E ali, para ela, é zero ego. É como se trabalha. Ele tem uma coisa meio de criança trabalhando também. É, então, isso é importante porque ela vê que, como ele não tem medo, quando a gente tira o medo e a ideia de se comparar ao outro, você pode fazer muita coisa. É, se ele... On ne sait pas quand ce sera fini. Elle ne sait pas encore quand va sortir le amour, comme deux Dominiques, le amour dominical. C'est un projet, Olivier Depré, qui est autre auteur aussi de Frémaux, qui a fait il y a quelques années, un travail aussi, j'ai oublié maintenant le nom du livre, mais c'est aussi très intéressant. Vários artistes ont fait, sont vários livres qui ont sorti avec ce groupe de. Bon, normalement, j'aurais fini ce travail dans 2 mois. Le temps qu'il soit publié, ça devrait être en tout cas dans l'année. Ça devrait terminer d'ici 2 mois, ce livre, et peut-être être publié, peut-être, au final de l'année. Et là, j'ai un autre projet avec Kai, cette fois-ci, un récit beaucoup plus écrit,
Une bande dessinée pour enfants, adolescents, plutôt pour adolescents, avec une petite fille qui veut monter une secte dans son école. Agora ela tem outro projeto também com o Cal, que é algo mais narrativo, mais escrito. É uma história de umas meninas que estão querendo montar uma seita na escola delas. Lili Petite Guru. Lili Petite Guru. Lili, a pequena guru. C'est bien, ça va un peu encourager les enfants à monter des sectes dans leurs écoles et tout. Eles têm uma proposta bem definida, né, de encorajar as criancinhas a montarem seitas nas escolas. Il y aura des concierges hommes-loups habillés en femmes. On va jouer un peu avec les trucs transgenres et tout. J'ai envie d'un peu parler de ça aux enfants, quoi. Vai ter as inspetoras da escola que vão ser um pouco lobisomem e coisas assim. E haverá de la nudité aussi pour les enfants? De la nudité, bien sûr. E claro, vai ter nudez. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était en tout cas super de vous avoir comme public. C'était un public restreint, mais je vous ai senti attentif et vous m'avez mis très à l'aise. Je vous remercie. Bon, de toute façon, c'était très bon de ce public. C'était un public restreint, mais ils l'ont laissé très confortable et elle agradece. Et puis vous êtes des gens géniaux parce que avoir la curiosité de prendre 2 ou 3 heures de son temps pour venir écouter quelqu'un, ça peut être long, ça peut être un peu fatigant. Et plutôt que d'aller s'amuser sur la foire avec les potes, vous venez ici. Et moi, j'ai de l'admiration pour les gens qui font ça. Et tu es muito admirada que vocês perderam 2 heures de tempo de vocês, curiosos de conhecer uma pessoa que vocês nunca ouviram falar, enquanto vocês poderiam estar lá fora se divertindo. Ela está muito admirada. Vous êtes des gens super.